Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer nos prochaines vidéos. Nous vous rappelons également que nous avons une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Nyanx Reborn 2. Vous pouvez chercher cette chaîne sur YouTube, bien entendu, et visiter, vous regarder ce que nous avons fait récemment parce que c'est extraordinaire. C'est pourquoi nous vous en parlons maintenant. Et ce que va suivre, c'est un témoignage trop puissant qui fait vraiment peur pour ceux qui auront peur. Et n'ayez pas peur. Si vous avez peur, priez, priez, priez déjà avant de regarder la vidéo. Au moins, nous vous aurons prévenu. Soyez prêts. Soyez prêts! Nous allons maintenant commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyanx Reborn. Waouh, mes frères et sœurs, aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose de vraiment étrange qui s'est passé chez nous. Il faut que quelqu'un vous le raconte quand même. Il faut que quelqu'un vous dise ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ce témoignage va vous réveiller, va vous ouvrir les yeux sur les choses que vous faites, qui ne sont pas de bonnes choses à faire et qui sont sans doute à l'origine de beaucoup de problèmes qui vous arrivent. Ou peut-être qu'ils vont peut-être vous causer des problèmes dans le futur. Mais ce sont des choses vraiment trop graves qui arrivent dans la société. Et il faut que les gens, quelqu'un dise clairement ce qui s'est passé, dise la vérité sur tout ce qui s'est passé, en fait, en exposant tous les faits devant vous, mes frères et sœurs. Mais que s'est-il passé? Mais que s'est-il passé? Ah, que s'est-il passé? Je vais tout vous dire ici. Vous savez que il y a des femmes dans la ville. Hein? Oui, s'il y a les hommes, c'est qu'il y a les femmes. Ok. Vous savez également qu'il y a des gens qui aiment les femmes, qui aiment de belles femmes, qui font dans les soirées, les samedis. Oui, on sait tout ça. Ok, si vous savez tout ça, vous allez comprendre quelque chose. Ça dit, ça commence à venir. Et vous savez que parfois, là, on ne peut pas rencontrer que des hommes, hein, que des femmes parmi les femmes. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parmi les femmes que les gens vont côtoyer là, ou encore les gens que les gens vont visiter, genre les prostituées là, parmi elles là, parmi les prostituées là. Sorcières, non? Ah bon? Vous n'êtes pas au courant. Ok, vous n'êtes pas au courant. Quand c'est ça là, vous n'êtes pas au courant. Quand c'est ça, vous n'êtes pas au courant. Quand on parle d'un truc pareil là, là vous ne savez pas, vous n'êtes pas au courant. On dit là, vous allez être informé. Voici un jour, un homme va sortir. Et quand il va sortir, vous savez ce qui va se passer? Il va rencontrer une fille. Il va rencontrer une fille dans une boîte de nuit. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi c'est dans les jeunes endroits-là que ça se passe. Mais c'est évident, parce que c'est là que le diable peut pleinement manifester sa puissance. C'est comme si ça l'appartenait. Ce sont les lieux où il réside. Un monsieur est arrivé dans une boîte de nuit. Il s'est dit qu'il allait boire un verre. Il dit, je vais juste boire un verre, c'est tout. Et dans cette histoire de boire un verre là, il a fait la connaissance d'une fille. D'une très belle fille. Oh là là, oh là là. Une très 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 belle fille. Ah, il n'a même pas cherché à savoir quel est son nom. Bon, peut-être au maximum, il a demandé de lui donner son surnom, mais son pseudonyme. Mais ils ne sont pas allés en profondeur, il n'a pas cherché à connaître la fille en profondeur. Tout de suite, que s'est-il passé? Il a amené la fille où? À l'hôtel. Quand il a amené la fille à l'hôtel, là. Ah! Ce qui va se passer là, moi-même, ça m'a étonné. Quand il a amené la fille à l'hôtel, quand il a amené la fille à l'hôtel, là, les deux vont se coucher, non? Ou bien? D'abord, s'il veut, il peut prendre une douche. Lui, il s'est déshabillé en premier. Lui, c'est déshabillé en premier. Maintenant, elle, c'est à elle de se déshabiller, non? Elle enlève le premier vêtement, il y a un autre vêtement en bas. Elle enlève le deuxième vêtement, il y a un autre vêtement en bas.
Ah, elle est le troisième. Il y a un autre vêtement encore en bas. Ah, elle est le quatrième. Il y a un autre vêtement encore en bas. Ah! C'est quelle femme ça? Elle enlève ses vêtements, ça finit pas. Ça finit pas. Ça finit pas. Le monsieur est là, il est étonné. Il veut fuir. Elle dit, tu vas aller où? Faut rester là. Tu vas voir. Ces femmes, tu cherches, non? Tu vas voir aujourd'hui là. Ça, c'est pour le premier cas. Dans le deuxième cas, vous savez ce qui s'est passé? La femme là, avant de se détablir, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit à l'homme, elle dit, chérie, bébé, est-ce que tu peux te tourner un peu parce que je veux que tu me voyes. C'est la seule surprise quoi, je veux descendre sur toi-même. C'est-à-dire que lui, il s'est tourné dans le sens du lit et il a regardé sur le lit comme ça. Et elle, elle était derrière, en train de se déshabiller. Depuis là, elle est là-bas, en train de se déshabiller là. Ça met du temps. Donc, il dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Au moment, il va dire, pour moi, tu vas regarder, il n'entend plus personne parler, il n'entend plus de mouvement. Du coup, il retourne net. Vous savez ce qu'il a vu? La fille, là, elle s'est transformée en cercueil. Ah! Elle s'est transformée en cercueil. Wow. Ça, c'est pour le deuxième cas. C'est-à-dire, dans ce genre de situation-là, les gens qui sont dans le monde, qui vivent une vie de deux femmes, trois femmes, le samedi, forcément, ils doivent avoir une nouvelle femme. Forcément, toi, tu dois avoir amené une femme à l'hôtel. Forcément, tant que tu n'as pas une femme à l'hôtel, tu n'es pas content, là. Voici des problèmes comme ça qui arrivent. Dans le troisième cas, là, vous savez ce qui s'est passé? Il s'apprêtait à avoir des rapports sexuels avec la fille. Elle s'est transformée en un serpent. Ah, mon Dieu. Un serpent. Hey! 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 Ça fait peur, non? De toute façon, vous avez prévenu que ça ferait un peu peur. Mais la fille, elle s'est transformée en un serpent. Quelle serait sa vraie réaction? Pour voir le monsieur en train de fuir, de courir. Il est en train de courir dans l'hôtel là comme ça. En petite culotte. En petite culotte. Parce qu'il venait de voir quelque chose qu'il ne devait pas voir. Il a fui, mes frères et sœurs. Ce monsieur a fui. C'est pas femme que tu cherchais. C'est pas femme que tu veux. Maintenant, voilà, tu as une femme là maintenant, tu fuis. Voici des témoignages que nous avons reçus, des problèmes sérieux qui sont arrivés. Trop grave, mes frères et sœurs. Trop grave. Est-ce que vous croyez à ces histoires? Est-ce que vous croyez à ces histoires? Quelqu'un va dire, ce n'est pas vrai. Quelqu'un va dire que c'est de la blague. Ce n'est pas possible. Un homme ne peut pas se transformer en cercueil. Une femme ne peut pas se transformer en serpent. Une femme ne peut pas enlever plusieurs vêtements, des milliers de vêtements sur elle. C'est impossible. C'est parce que c'est impossible là. Que tu as entendu ça aujourd'hui. Si ça n'existait pas là, tu ne te l'attendrais pas. Tu ne serais même pas en train de regarder cette vidéo. C'est parce que Dieu a vu qu'il y a des problèmes sur lui dans ce monde. Il veut préserver sa vie. C'est pourquoi il te loue ce message. Il te dit, attention, tu aimes la femme. Tu aimes les belles choses. Mais attention. Attention et attention. La vie des publicités là. La vie des débauches là. Plusieurs femmes là. Ça a l'origine de beaucoup de problèmes dans la société. Plus de problèmes pires que ça même encore. C'est pourquoi Dieu lui-même l'a dit que l'homme doit quitter son père, sa mère, s'attacher à sa femme. C'est pourquoi Dieu n'aime pas ces choses. Il dit, mes enfants, ne faites pas comme ça. C'est pas une bonne chose. C'est une mauvaise vie. C'est parce qu'il a vu le danger qu'il y a là-dedans. C'est pour sauver ta vie que Dieu a parlé comme ça. Mon frère, ma soeur, je ne souhaite même pas que tu sois dans cette situation. Et si tu étais dans cette situation, quelle serait ta réaction? Réagis dans la partie commentaire. Là, on t'attend.
On vous attend tous aujourd'hui. Laissez un like si cette vidéo vous a étonné, vous a surpris. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo sur... Préparez-vous car la prochaine vidéo sera extraordinaire et va vous étonner, assurément. À bientôt. Abonnez-vous surtout.